Le rideau de l'esprit est lourd. Il descend tout sur nous, allongé à la lisière du sommeil. Il s'arrête sur nos chevilles et derrière, on voit disparaître nos pieds et on frôle l'esprit du bout des orteils. Entre le monde et l'esprit, sous le rideau allégé, les pieds. Il faut, avant de s'endormir, bien respirer, bouger les pieds, faire onduler le bas du rideau et se tourner d'un côté, d'un coup, son centre énergétique baissé. Et si on y arrive et qu'il s'entr'ouvre, on voit derrière ce rideau un petit être. Vous savez, comme ce qu'on voit dans la science-fiction et qui contrôle la galaxie. Mais moi, je pense que ce devrait être des perroquets géants qui contrôlent la galaxie. Ce serait beaucoup plus drôle. Il y aurait des battles de danse et des chants de tournesol partout. Et ça devrait être un perroquet géant. Ceux qui derrière se reflètent à l'infini et qui cachent, selon les dires d'un grand aventurier, lointain descendant de Tante et cousin germain de Jung, non seulement d'autres êtres du folklore fantastique, tels que reptiliens, fées, Père Noël ou encore Vulcain d'origine plus ou moins mélangée. Mais également des fenêtres sur nos vies passées et tout au bout.